Salut à tous les amis, c'est One2. Alors on se retrouve aujourd'hui pour notre test rétro, notre troisième test rétro sur Driver. Premier du nom. Premier du nom, Driver. Driver, à l'anglais, t'as vu. Faut que j'arrête avec l'anglais, je suis mauvais. Et comme d'habitude, je suis pas tout seul, je suis accompagné de mon ami Nono Live. Comment vas-tu, mon Nono? Bah ça va, je suis en pleine forme. Hein. Heureux de retrouver ce jeu mythique de la PS1. Mythique, avec, exactement. Exactement. Ça va être génial. On va le retrouver avec moi. Plus. Bah oui, bah oui, alors t'es gentil. Donc ce jeu, hein, on va tout de suite parler comme d'habitude hein, de la sortie. Hein. Donc il est sorti en juin 99, c'est vieux. C'est, ouais, ça nous rajeunit pas. Ah, oui, ça fait 14 ans quand même. Oh putain, la moitié de ma vie. Ouais, c'est ça. Ça a été édité par GT Interactive, développé par Reflection, qui aujourd'hui est Ubisoft. Non, qui a été racheté par Ubisoft. Qui a été racheté par Ubisoft. C'est ça. Le 2, pour information, hein, a été fait, a été développé par Reflection aussi, mais il a été édité par Infogram, hein, le merveilleux tatou. Ouais, le tatou. Le tatou. Donc, ce jeu, c'est un type de jeu de la course action, on va dire, hein, parce que c'est pas vraiment des circuits ou. Bah, certains comparaient à un GTA-like, mais c'est pas un GTA-like parce que tu peux pas sortir de ta bagnole, quoi. C'est vrai. C'est vrai que le premier et le deuxième, on pouvait pas sortir de la voiture. Non, exactement. C'est à partir du 3 où tu commençais. C'est le 3, c'est San Francisco. C'est San Francisco. Le 3, dans les 3 premiers. Driver San Francisco, c'était un GTA-like, carrément. San Francisco, c'est pas le dernier qui sort. Non. Tu es sûr? Non, je suis pas sûr. Bah voilà, c'est un GTA-like. Voilà, un pseudo GTA-like, donc. Mais l'histoire, en gros, c'est une histoire bateau. Hein, ah oui, c'est vraiment bateau. Hein, on est Tanner. Hein, il a un nom, il a un prénom ou c'est juste Tanner? Non, c'est juste Tanner. Ouais. Enfin, si, il a un prénom, mais. Oui, on s'en fout, quoi. C'est un flic et il infiltre un gang de braqueurs de braqueur de banque. Et du coup, on va enchaîner les missions au fur et à mesure pour grimper les échelons, atteindre le chef de gang, ouais. Démanteler le gang. Et puis, il y a une incidence pas minime, on va dire, mais sur la fin du jeu, en fonction de l'ordre des missions qu'on fait. Parce qu'il y a des missions qu'on va recevoir par deux ou par trois, des fois. Ouais. Tout à l'heure, j'ai choisi une mission et la première a disparu. Elle a été supprimée, ouais. Donc il y a un choix moral. Il y a un choix moral et du coup. Et il est minime, hein, c'est pas. Voilà, donc. la mission que t'adores. Cette mission, je la hais plus que tout. Hein. Parce qu'il faut savoir que la maniabilité est extrêmement rigide, hein, comme toute PlayStation 1 qui se respecte. Ça a un temps de latence monstrueux. Voilà, ça c'est bon. Ah non. J'ai voulu faire. Non mais. C'est moche. C'est très moche. Ah bon, oui, le jeu aussi est moche en lui-même. Ah oui, j'ai perdu la cible. Ah oui, attendez. Non ? Oui, alors, ouais. On profite du fait que j'ai perdu pour pouvoir montrer... Le mode cinéma. Alors, on peut faire le mode cinéma. Oui, bon, vous voyez que c'est en anglais. Hein. C'est la triste réalité. On s'est rendu compte avec One2 ouais. Que quand on l'a téléchargé sur le PS Store, il n'était pas en français. Hein, on est un peu déçu. Il n'y a pas de sous-titres. On ne peut pas comprendre un mot de ce qu'ils disent. Mais normalement, il est en français intégral. Hein. La version originale est en français intégrale, hein. Donc voilà, le quick replay, ça dure 3 secondes, parce que j'ai joué 3 secondes, sauvegarder mon replay et recommencer, hein. Donc voilà, ça va être recommencé. Hein. Voilà, hein. Bon, j'espère réussir cette mission, parce que franchement, je galère hein, pour cette mission, c'est une mission de merde, il faut le dire, hein. Poker la caisse de l'autre sans poker la sienne, c'est magnifique. D'ailleurs, le jeu est en français et des très très bons doublages pour l'époque. Hein. Ouais, voilà. C'était vraiment excellent. Les doublages sont excellents, la musique est excellente. La musique, bah la BO, c'est Alistair Brimble qui l'a fait. Et c'est vraiment une des meilleures BO qui existent sur PlayStation 1. D'ailleurs, ce mec a été récompensé pour sa BO sur Driver, parce que sincèrement, les musiques des années 70, c'est juste énorme. Hein. Musique du garage. La musique du garage, eh oui. Ah, oui, tout le monde se souvient du garage. La première mission, l'entraînement, le practice. Voilà, et ceux qu'il y en a qui abandonnaient. Ah oui, combien de joueurs ont abandonné ici quoi. Oh oui, c'est Poké tout seul. C'est magnifique. Oui, le garage, c'est on n'a pas trop galéré pour le faire. J'ai essayé combien de fois pour le faire? Bon, je sais pas, 15. T'es sûr? 15 fois? Non, une bonne dizaine de fois. Une bonne dizaine de fois. Voilà, et après. Mais 10, c'est rien. Hein. Mais ouais, je me souviens, quand je l'avais fait, moi j'avais galéré hein, comme un. Parce qu'à l'époque, il y en a pas mal qui ont abandonné sans avoir vu le bout du garage. Il est où? Il est où? Il est là. Boum. Et il m'a fini ma Poké. Et je vais prendre. Et je veux pas prendre. Oh non. Et si.
Il reste 30 secondes, il reste un point de dommage et j'ai perdu la cible. Bon, désolé, hein, la mission est super dure. Merde, je vais pas sauvegarder mon replay, moi. Ah non, surtout pas ça. Ah non, non, c'est moche. Non, ça bouffe de la place sur la memory card. Carrément. Donc, ouais, ce jeu est très moche, hein. Il faut le dire aujourd'hui, il a très mal vieilli. Moi, je trouve qu'il a extrêmement mal vieilli. Hein. C'est comme les jeux de PS1 en général, je pense, mais là... Bien sûr voilà, qu'il a mal vieilli, mais... Mais ça reste un jeu mythique de la PS1. Tu, tu tapes Destruction Derby, je pense que... Ouais, ouais. En parlant de Destruction Derby, tiens, donc Reflection a participé au développement de Destruction Derby, d'où... moi, je trouve que Destruction Derby, c'est l'un des meilleurs jeux de voiture sur PS1 aussi, hein, donc... Ouais, ça, on peut appeler ça un jeu de voiture. Bah, c'est un jeu de... C'est un jeu de bourrin. Un jeu de bourrin, voilà. On est dans une arène, on va... Ah mais il était excellent. De toute façon c'était le jeu. Il était vendu, je crois, à la sortie de la PS1. Ouais, ouais, c'était l'un des premiers jeux de la PS1. Ouais. Bon, faut dire que la voiture était extrêmement laide. Hein. Même celui-là, niveau graphisme, hein, il était quand même carrément plus évolué que Destruction Derby. Hein. Il faut le dire. Ah bah, hein. Ouais mais bon, avec le papier peint en guise de ciel, enfin, c'est mythique, ouais, ouais. Hein, c'est mythique. Oui, bah en parlant de ciel. Et c'est de la bonne 3D quand même pour de la PS1. Hein. Et en parlant de 3D, c'est l'un des premiers jeux de voiture. Où il y avait un cycle jour-nuit, enfin un pseudo-cycle jour-nuit. Il y avait des missions de nuit. Là, on est de jour, mais il pouvait avoir Miami de nuit, parce qu'il y a quatre villes dans le jeu. Ah j'ai oui, gagné. Voilà, j'ai gagné, c'est bon, parfait. Il y a quatre types de villes. Oh, la gueule du père. Bon, pardon, je me suis arrêté sur le. Oui, les, alors. Oui. Le béton vient d'être fait, parce qu'il rentre dedans, je crois. Voilà. Donc je disais, il y a quatre villes. Il y a Miami, San Francisco, Los Angeles et New York. Et New York. Et les quatre villes sont jouables au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu. Donc là, pour l'instant, j'ai que Miami. Ouais, parce qu'on vient de s'y mettre. Hein. Voilà. Donc il y a dans chaque ville, on utilise des voitures différentes. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre dessus Il y a des modes défis. Il y a des modes défis. Oui. Alors les modes défis, on en a essayé tout à l'heure. Ils sont super c'est... durs. Ouais. C'est vraiment super dur. C'est pour apprendre à piloter, quoi. Mais vraiment à piloter. C'est pas conduire. Hein. Ouais. C'est à piloter. Get Jean-Paul. Okay. Alors je vais aller chercher Jean-Paul. On va chercher Jean-Paul. Non, je vais le poser. Non, c'est en anglais. Poser Jean-Paul. Ah merde, je comprends pas l'anglais. Bon, on va vous montrer la map. Voilà. Pour l'époque, c'était immense. La aujourd'hui, map de Miami. Aujourd'hui, c'est minuscule. Sincèrement, c'est vraiment petit. Moi, je trouve que c'est petit. On fait du point en bas à gauche en haut à droite en même pas 5 minutes. Hein. Oui, ouais, bien sûr. Mais après, c'est la première map. Les autres sont un poil plus grandes. Non. Oui, continue, c'est mieux. C'est ça, un poil plus grande. Mais bon, par exemple, San Francisco, c'est que des petites ruelles. Je vais passer du bois. Je vais le raccourci. Là, c'est parfait. Donc oui, San Francisco, c'est des petites ruelles. Mais c'est vrai que les maps, elles se ressemblent pas. Hein. Malgré le cycle jour-nuit, sincèrement, il y a un mode de conduite à adopter dans chaque ville. Par exemple, San Francisco, avec les tonnes de montées et descentes, avec les boss de malade qu'il y a, faut faire super gaffe. Vu la maniabilité qui est super exigeante, parce que franchement, là, je tourne, ça réagit au bout de, même, de presque une seconde. Ouais, mais tu joues pas au joystick. Hein, et on joue pas au joystick, on joue à la multidirectionnelle. Voilà, ça et t'as pas le choix. Et on n'a pas le choix. Mais en même temps, à l'époque, il n'y avait pas de DualShock. Hein. Ça n'existait pas encore. Le premier DualShock c'était sur Ape Escape, hein, si vous vous souvenez bien. Ape Escape. Un super jeu, mais bon, on passe outre celui-là. Outre, passons. Alors lui, il t'a aggro à des kilomètres, c'était aggro. Magnifique. Aggro, ah, joli mot, aimé mot. Ça te plaît, hein. Ah ouais. Un ancien addict, aimé mot. Oh, ça sonne à la police. Putain. Oui, donc la mission, voilà, barrage. Oh putain, ma voiture va mourir, je le dis. Je vais perdre la mission. Non, mais ça va. Oui, ça va. En plus, tu gères. Ouais, je gère. Faut que je sème les flics pour pouvoir atteindre la destination. Mais non, mais t'inquiète. Oui, alors l'IA de la police, on va dire. Elle est stricte, mais elle est sévère. Super exigeante. On peut pas dépasser par la droite, faut pas rouler sur la ligne jaune. Pas de feu rouge. Pas de feu rouge. Voilà, j'ai cassé mon. T'as ruiné la caisse, bah oui. Oui, alors le jeu n'est pas violent. Hein. Les flics, on les voit pas. Ils veulent juste détruire notre voiture. On peut pas écraser les civils. Ils tirent pas. Ils tirent pas. Y a pas de violence. C'est juste la voiture qui prend. Donc oui, ça c'est pas trop grave. Hein. C'est pas un monde de bruit. Là. Ah non. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre aussi Ah oui, alors ce jeu, il est sorti sur Game Boy Color. Ouais. Et sur PC aussi, mais ça, les deux versions étaient à chier. Hein. Pas carrément. Enfin sur PC, elle était pas à chier. Mais sur Game Boy. Sur Game Boy, mais. Ah chier, enfin si tu es en vue du dessus, en 2D, pour ceux qui connaissent. GTA 1. La GTA 1, 2 et c'est tout. Et comment il s'appelle l'autre, je sais plus. London, je sais plus quoi. C'est ça.
Et apparemment, non, ça le faisait pas du tout. Il était très mal géré et c'était pas bon du tout. Donc le seul vrai driver, c'est celui-là sur PS3. Oui. Et voilà. On va essayer bien. Ouais, essayer de finir la mission. Non, mais de toute façon, la police va me faire chier. Voilà. Mais non. Oh, la jolie esquive. Ouh, c'était joli. Tu t'en sors sur. Bon, là, il faut voir aussi, j'ai la première voiture. Hein, mais je sais pas combien de voitures il y a par ville. Il y en a deux, non? Je sais plus combien il y en a. Alors, si c'est une ou deux, je sais plus. Ah, je sais pas. Parce que je sais que celle-ci, dans cette ville, il y a celle-ci. T'as le barrage qui pop exactement au même endroit. Ah, ça va. Bon, désolé, hein, je vais recommencer la mission plusieurs fois, mais c'est Driver. Ah, t'es obligé de recommencer. Il est extrêmement dur, ce jeu. Même aujourd'hui, on se rend compte que les jeux d'aujourd'hui sont beaucoup plus simples que les jeux de PS1. Ah, tu veux peut-être faire la vie, toi. Je sais pas, il reste 45 secondes, un deuxième barrage. Un barrage qui pop. Voilà. C'est mort. Ah, vas-y. Ah, là. La voiture, elle est en carton, sérieusement, quoi. Bon. On va essayer de faire la mission, sinon. Ouais, tout de même. Voilà. De toute façon, on va pas vous faire un test d'une demi-heure un jeu de course. Voilà. Il a été très bien vendu aussi, je voulais dire. Oui. Ah, c'est l'une des plus grosses ventes. Mais non, c'est même la plus grosse vente de la PS1 en 98. En 98. Qui a devancé Gran Turismo, à mon grand étonnement. Et Tomb Raider, enfin en Angleterre. En Angleterre, oui, mais dépasser Gran Turismo, on peut le faire. Bah. Sincèrement, parce que Gran Turismo premier du nom, à l'époque, excellentissime. Hein. Il y avait Driver et Gran Turismo entre les deux. C'est vrai que c'est un jeu de voiture, les deux sont des jeux de voiture, mais c'est pas du tout les mêmes. Bah non, il y en a un c'est de la simu, l'autre c'est. Enfin, quoique la conduite est très. Exigeante, très exigeante. Oh, oui. Mais c'est pas de la simu. Non, du tout. Il va se mettre là à droite, t'as dit hop, esquive. C'est assez horrible. Hein. Et en plus, la circulation est faite pour nous emmerder au maximum. Donc ils vont anticiper notre trajectoire, ils vont se foutre devant nous au dernier moment. Ah, puis les bagnoles qui pop en face et tout, c'est. Ouais. Putain, les flics, je suis obligé de les taper. Il est juste devant, le barrage va popper à 10 mètres, tu vois. Hop là. Bien joué. Bon. J'espère que j'ai pas cassé ma voiture, ce serait bien. J'aimerais bien finir la vidéo sur une victoire. Pour une fois. Oh non, il m'a shooté. Oh, t'as pris cher. Ah, mais j'ai pris cher, ah, carrément. Ouais. Carrément. Oh punaise. Oui, alors vous avez remarqué hein, que dès qu'on touche une voiture civile, elle s'arrête. Elle n'explose pas. Est-ce que je peux comprendre? Ouais, tout doucement. Ah, je vais y arriver. Je vais pas vous endommager. Je vais pas y arriver. Non, mais il me colle au cul sévère. Hein. Je pourrais pas. Bon, les touches, hein, c'est les touches habituelles. Hein. X accéléré, carré freiné, triangle frein à main, le rond, c'est le burn. La vue arrière, c'est comment? L2, R2, la vue arrière. Ouais, L2 pour la vue de gauche, R2 pour celle de droite. C'est où? C'est derrière? À droite, là? Faut j'aille à droite. Je vais y arriver. Dans le garage. C'est dans le garage ou quoi? Ouais, c'est dans le garage, parfait. Oui, j'ai réussi! Eh ben voilà! Magnifique! Voilà. Donc, c'est des touches à un jeu de voiture habituel. Hein. L2, R2, c'est la vue arrière. L2 côté gauche, R2 côté droit. Bah, c'est les touches d'un GTA. Enfin, des anciens GTA. Des anciens GTA, donc voilà. On va pas sauvegarder parce que. Non. On s'en fout un peu. Oui, exactement. Voilà. Exactement. Parce que nous, on est des vaillants, on sauvegarde pas le jeu. Voilà, ouais. Nous, on fait un speedrun d'une traite. D'une traite. En une heure, on vous le finit. La mission. La mission. Ah voilà, alors ça j'adore ça. La planque. Alors voilà, bon on se quittera peut-être là-dessus, mais c'était juste pour vous montrer la planque quand même. Le magnétoscope pour sauvegarder, la porte pour quitter, retourner au menu principal, les clés pour faire un tour. Faire un tour. On se balade dans les villes qu'on veut avec les voitures qu'on veut, du moment qu'on les a débloquées, parce que là j'ai vu que j'ai que Miami et une voiture, ça sera que ça. Là après il y a les options à la boîte à outils, c'est super original. Et là c'est là où on peut get a new job. Donc, c'est les messages vocaux. Les messages vocaux, donc là si je sais pas si vous entendrez. Là j'ai deux messages. Voilà, j'ai donc deux nouveaux messages. Donc là je peux en écouter un, écouter l'autre après, et je dois faire un choix entre les deux. Et c'est-à-dire que si je prends le premier, le deuxième sera effacé. Du coup je pourrais pas faire la mission numéro 2. Donc les choix moraux. Je sais pas exactement combien il y a de fins, je me souviens plus. Hein, parce que. Le jeu, j'ai joué quand j'étais super jeune, donc. Mais je sais quoi. Qu'il n'y a pas. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas qu'une seule fin, il y a des fins alternatives. En fonction des missions qu'on va prendre, s'il y a des missions plus ou moins orientées pour la police ou pour les braqueurs, apparemment c'est ça. Donc il y aura une mission plus. Des fins négatives ou positives. Ouais. Mais bon,
Voilà. Bien, le mal, c'est toujours la même chose. Voilà, en gros, c'est chaud. Mais pour un jeu de PS1, c'était quand même énorme à la base. Bien sûr. Des fins alternatives pour un jeu de PlayStation 1. Ah ouais, non, mais bien sûr. Je suis entièrement d'accord. Donc, là, surtout pour un jeu comme ça, c'est pas un RPG ni rien. Mais c'est un jeu de course. Carrément. Carrément. Donc voilà, et puis. Ouais, et puis voilà, t'as fait le tour. Voilà, donc on va pas vous montrer les défis parce que c'est les défis bateaux. Hein. Il y a les défis de course-poursuite, les défis de checkpoint. Il y a des défis de circuit aussi, parce qu'il y avait un circuit sur Terre tout à l'heure. Ouais, le circuit sur Terre. Le circuit sur Terre qui tourne en rond. Échapper aux flics. Échapper aux flics. Il y avait quoi aussi? Bah, tu dois avoir un mode des Destruction Derby en plus, je suis en train de penser. Je sais plus du tout. Tu dois avoir un mode où. Ah, c'est obligé. Alors là, ça c'est le mode histoire, Car Chase, hein, ça c'est les films qu'on a enregistrés. Le training, c'est s'entraîner dans les villes. Le parc ou le désert, voilà. Car park. Car park, alors voilà, ça c'est le fameux parking du début du jeu qui est super qui est dur. Horrible. Hein, je pense qu'on a tous galéré à faire le slalom parce que c'est le plus dur d'entre tous. Hein. Ah bah, slalom et le demi-tour en marche arrière. Ouais, parce qu'il faut savoir lâcher la marche arrière au bon moment. Ah là là. Sinon, là, ça tombe pas. Hein. Donc les cheat codes. Ah oui, les fameux cheat codes. Moi je me souviens que je jouais avec le cheat code, hein, la voiture immortelle, comme ça, les missions elles étaient faites rapidement. Voilà, hein. Driving game, c'est ça les défis, voilà. Poursuite, getaway en français. Quest on checkpoint. Getaway, c'est échapper aux flics. Et la poursuite, c'est quoi? Ah, je sais pas. C'est pas grave. Mais getaway, on l'a essayé tout à l'heure. Ouais. Trailblazer, c'est le circuit. Donc c'est ça, Dirt Track. Le circuit, Dirt Track. Trailblazer, je sais pas. Et Survival, bah, c'est rester en vie le plus longtemps possible. Donc, avec les flics au cul. Voilà. Donc voilà. Et là, Take a Ride, c'est se balader dans la ville, hein, voilà, les options, les ice course. Donc c'est un menu bateau qui a fonctionné pendant des années. Oui. Et qui aujourd'hui, franchement, y avoir rejoué, ça m'a fait un petit pincement au cœur quand même. Hein. Moi, ça m'a niqué la rétine perso. Attends, je te prête mes lunettes. Non mais c'est vrai. J'ai perdu un œil. Au niveau, on passe de Crysis 3 à Driver. Ça fait mal. Ça fait mal. Clairement, ça fait mal. Il faut le dire. Non, mais ce jeu. Mais on pense sur nous. Voilà. Hein, c'est pour vous. C'est un dodo, c'est pour toi. Je pense sur moi. T'inquiète pas. Bref. On a passé la pre-night. Voilà, on a pris un plaisir fou à refaire, à retester ce jeu. Ouais. Parce que franchement. Pour vous, on ferait n'importe quoi, quoi. Oui. Enfin, presque. Hein. On va pas sauter du pont. Vous inquiétez pas. Hein. Donc voilà, on tenait à remercier notre cher ami WikiJax, hein, qui sans lui, comme d'habitude, on n'aurait pas toutes ses infos. Toutes ses infos, hein, donc on espère lui avoir fait honneur. Hein. Oui. Oui, bah, exactement. Parce qu'il le mérite grandement. Exactement. Voilà, donc voilà, je touche pas la manette. Hein, là, j'ai lâché la manette. Il y a la petite démo qui défile, hein, pendant qu'on va parler. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je voulais parler vite fait des. On a atteint les 5000 vues grâce à vous. Hein. Oui. Donc, le tirage au sort va être fait très prochainement. Bah, on est le mercredi 27. On est 27 février, donc, c'est ça. Donc, mercredi prochain, enfin, tirage au sort. Voilà, dans une semaine précisément. Dans une semaine. De toute façon, on va faire une deuxième vidéo où on vous expliquera tout, voilà, les détails. Clairement, voilà. Mais dans une semaine, il y aura le tirage au sort pour les abonnés. Donc c'est vraiment pour les abonnés et pas pour les gars qui commentent, qui sont pas abonnés, on s'en fout. Exactement. C'est pour nos abonnés qui nous suivent, tout ça, donc voilà. Mais de toute façon, on vous fera une deuxième vidéo dans le courant de la semaine, là, pour vous expliquer tous les détails, et puis voilà. C'est ça. Vous voyez la petite phase de jeu San Francisco, de nuit, avec une autre voiture, c'est quand même la classe, quoi, pour un jeu de PlayStation. Ouais, bah oui. C'est quand même la classe. Hein. Ça fait bizarre quand même de revoir tout ça. Bon, les phares qui n'éclairent strictement rien, hein, les décors qui apparaissent au compte-gouttes, c'est Driver, quoi. Mais c'est la PS1, c'est ça qui est bon, mais oui. Putain. Non mais franchement, il est juste génial ce jeu. Si vous l'avez pas fait, les jeunes qui regardent la vidéo qui n'ont jamais fait ce jeu, si vous avez une PS3, et bah, téléchargez-le. Ouais. L'histoire, vous vous en foutez, hein, clairement. Hein. Vous enchaînez les missions, il n'y a pas vraiment de grand intérêt. Parce que vous comprenez, que vous compreniez ou pas l'histoire, vous vous en foutez. Non. Mais ceux qui n'ont jamais fait le jeu, faites-le. Il a coûté combien? 5€ même pas? Ouais, 5€. Sur PSN, 5€. Donc c'est donné. Hein, franchement, faites-vous plaisir. Hein, non, c'est donné. Pour moi, ça devrait être libre de droit, ce machin. Et bon, bref. Ouais, bon, ça c'est autre chose. Changement de sujet. Hein. Bref. Tout ça pour dire que on a été heureux, comme d'habitude, de vous faire partager
notre plaisir vidéoludique. Exactement. Sur un test qu'on espère qui vous plaira, hein. Un test rétro, parce que Driver, on va essayer de vous faire des tests rétro sur les jeux les plus emblématiques, hein. Donc, ouais, parce que nous on n'est pas le genre de conneries, on fera pas des tests rétro sur des jeux de merde. Que ça soit bien clair. Quoique. Non, on va faire des tests sur des jeux de merde pour vous conseiller. Pour d'éviter ces voilà, jeux, d'éviter voilà. Certains jeux, ceux qui mais sont pas sur les tests rétro. Voilà, donc pour ça, il y a le genre de grenier. Hein. Ouais, ouais, pas chier. Hein. Ouais, mais on fait pas autant de vues que lui. Mais on vous adore, joueur du grenier, on vous adore. Ah oui, carrément. Ouais. Bon, bah, les loulous, hein, je pense qu'on va vous laisser ici. Ouais, on va s'arrêter là. Bah, comme d'habitude, si vous avez aimé, mettez des j'aime, lâchez des coms si on a oublié certaines spécificités du jeu. Je pense qu'on a à peu près tout dit. Bah, je pense aussi. Ouais, et pour les non-abonnés, bah, abonnez-vous, n'hésitez pas, on va vous en faire d'autres, vous inquiétez pas. Et puis voilà. Donc voilà. Bon, bah, je vous fais plein de bisous. Ciao. Ciao les loulous.